Bonjour à tous et à toutes, c'est Zertri. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le mode carrière de NBA 2K15. C'est le match 5 de cette finale de conférence, bien sûr toujours face aux Cleveland Cavaliers. On est à égalité avec eux, deux matchs partout. Donc là ça serait vraiment l'occasion de passer pour la première fois devant dans cette série et prendre les rênes et de prendre une grosse option pour la qualification pour les finales. On est chez nous, donc on a un petit avantage, j'espère bien sûr qu'on va pouvoir le faire. Ouais, pour l'instant ça sort pas beaucoup là, quasiment 2 minutes, on n'aurait toujours pas scoré. Ce serait bien qu'on score là sur cette occasion. Heureusement aussi que les Cavaliers ne scorent pas beaucoup, donc ça va. Que un panier, je suis passé au panier. Et voilà, le premier panier pour nous. Un dunk de la main gauche. On fait tourner un petit peu avec Jarry Parker. Faire jouer un petit peu nos coéquipiers. Écran sur LeBron. Double écran sur LeBron. Allez Jabari, je suis seul. Oui. Au tir à mi-distance. Oh non, 3 points. C'est dedans. Ça se vraiment pas beaucoup dans ce match là. 8 à 7 seulement. Oh, bel écran de la part de Sanders. Oh oui, le fade away peut-être. Oh, c'est dedans, ce tir à mi-distance pour moi. On va essayer de mettre quelque chose en place avec Jabari Parker là. Allez, bonhomme, il faut nous faire quelque chose. Faut scorer un peu plus là. Parce que pour l'instant, il y a quasiment que moi qui score les points. Bien vu ça le. Oh oui, la fin de tir, c'est très bien vu sur LeBron. Attention, il reste plus rien. Faut tirer, step back, à 3 points pour moi, c'est beau, allez. Ah là là, dommage, ça rentre pas. Ce panier qui ne rentre pas. Oh, l'interception. Oh oui, l'interception, allez Sanders. Ah, dommage. Ah, je suis seul. Je tire direct, timing parfait. Et c'est dedans, à mi-distance pour moi. Et on monte ce ballon. Essayer de passer, non. Belle défense de Kyrie Irving, qui me bloque. Oh, Mirotic, à 3 points. Eh oui, les 3 points de Nikola Mirotic. Attention à LeBron. Non, putain, Kai Irving le rebond. Je suis dur dessus. Et voilà, enfin. Enfin, le rebond pour nous. Essayez de jouer vite. Avec Parker. Bien vu, Stauskas. Bien vu encore une fois. Oh, c'est très très bien joué. Très très belle action collective. Et hop, on a pris une petite avance de 3 points dans ce premier carton. Un écran sur DeMarre Carroll. Oh, c'est bien vu. DeMarre Carroll qui est tombé. Je tire à une distance. Timing parfait. Et c'est dedans ce panier pour moi. Cavaliers sont repassés devant. On reste plus beaucoup de temps dans ce premier carton. On va essayer de finir bien comme il faut. C'est bien vu. Oh, Damien Inglis, le français, qui tire à 3 points. Et c'est dedans ce panier pour Inglis. Et je me fais sortir en début de deuxième carton. On a que 2 points de retard. Oh non, non, le truc horrible. Je reviens sur le terrain, on a 17 points de retard alors qu'on avait que 2 points quand je suis sorti. C'est n'importe quoi, et Thompson qui marque ce panier. Ah là 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 là, mais c'est n'importe quoi, c'est très frustrant quoi. Putain, le match était... Ah là 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 là, allez Mirotić, il met ce panier quand même. Ah, c'est vraiment... très frustrant ce truc là. Allez, je suis passé. La défense est endormie. Voilà le dunk pour moi. Et là ça va être vraiment vraiment très compliqué de revenir sur ces Cavaliers avec autant de d'écart là maintenant. Et on va monter ce ballon. 19 points d'écart. C'est ouf. Faut que je passe encore une fois. Voilà le dunk de la main droite. Avec autorité. La défense s'est une nouvelle fois endormie. J'ai de profiter. Kyrie Irving qui défend bien, prise à 2, Mirotić, voilà, Mirotić avec un double pas facile. Mais il y a toujours une grosse avance là pour les Cavaliers qui sont en train de frapper un gros coup, un gros coup dans ce match 5. L'interception, l'interception de la part sur Kyrie Irving, la conclusion de la main droite pour moi encore une fois, un Tomahawk pour finir cette action, cette contre-attaque après mon interception. Allez Jabari, très bel écran, superbe écran. Ah, non, là, là, j'aurais dû ressortir à gauche là-bas, sur Marshall. Jabari toujours. Oh, le petit beau fadeaway sur LeBron, c'est beau ça. Et c'est la fin de cette première mi-temps, 66-53, 13 points d'écart. Ça va être vraiment très très chaud de revenir sur le Cavaliers. C'est vraiment très frustrant d'être pris autant de points d'écart quand j'étais sur le banc, quoi. I wouldn't be surprised if he did. We came out late to ag that first half, straight up. Right now, any change to wake us up would be welcome. But we know we can play a lot better than that. Hang tough, young man.
Allez, troisième carton qui débute. Kevin Cavaliers qui dribble un peu trop, bonhomme. Ah oui. Et oui, jeune homme, ça dribble beaucoup trop. Au panier peut-être. Et oui, la conclusion. Avec autorité, de la main gauche pour moi, interception directement bien pour commencer ce troisième carton pour nous avec un panier directement. Voilà, interception. Interception de Mirotić. On va essayer de jouer vite encore une fois. Essayer de passer éventuellement sous la barre des 10 points. Ça serait important. Mirotić qui se retrouve seul à 3 points. Mirotić, le 3 points. Et il n'y a plus que 8 points d'écart. On passe sous la barre des 10 points. Ça, c'est super important. Pour l'instant, on fait un début plutôt sympa de troisième carton. Belle défense. Oh oui, superbe défense. Ok, Irving, l'interception. Je vois Parker directement. Jabari Parker qui tire directement. Et Jabari Parker qui marque. Super début de troisième carton pour nous. Eh, bordel. Essayez de mettre quelque chose en place. Essayez de marquer peut-être éventuellement un petit 3 points. Oh oui. Ah non, Mirotić qui est revenu, il aurait pu rester sur place. Il y a 3 points. Jabari Parker qui tire à 3 points sur LeBron. Et c'est dedans pour Parker. Attention. Oui, belle défense. Et le rebond pour moi. Le rebond pour moi. Stauskas vite, allez. Avant que la défense soit mise en place. Ah, ils sont revenus. Ils sont des revenus déjà. Les Cavaliers, très très vite. 8 points d'écart pour nous. Enfin, pour eux plutôt. Ils sont devant. Bel écran de la part de Sanders au panier. Et le poster. Pour finir sur Damari Carroll. Attention, allez, rebond pour Jabari Parker. Allez, essayons de jouer vite. Faut profiter que la défense ne soit pas complètement mise en place. Je suis passé, voilà, avec le dunk de la main gauche. Et la faute de Waiters. Le panier plus la faute. Donc peut-être une action à 3 points là-dessus avec ce beau dunk de la main gauche de ma part. Peut-être le plus 1 à la clé sur la ligne de lancer franc. Et oui, le plus 1 qui est dedans. Et on monte ce ballon là. Pour l'instant, c'est plutôt une bonne troisième mi-temps. Enfin, troisième carton plutôt, pardon. Pour nous, allez, Brandon Knight à 3 points. Brandon Knight, c'est réussi ça. 6 points d'écart. Attention à Middleton. Il est bon à 3 points. Voilà, oh, la chance. C'est raté de la part de Middleton. Là-dessus. Allez, Brandon Knight. Oh oui, t'es passé. Oh, c'est bon. Le spin move. Oh non, qu'est-ce qu'il rate. Oh là là, il va être dans chaque full quoi. Non, ce qui rate, quoi, c'est énorme. Oh là 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 là, en plus, il avait même pas besoin de spin move. Ah là là, ce qui rate, Brandon Knight, c'est abusé. Il était complètement libre, il n'y avait personne. Il rate un layup, quoi. Abusé. Hey, Brandon Knight, tout seul, rattrape-toi, bonhomme. Rattrape-toi. Et oui, il est 3 points de Brandon Knight là-dessus. Il faut défendre la bordel. Il faut défendre comme des ouf. Antetokounmpo, c'est bien défendu. Sur Middleton. Et le rebond d'Antetokounmpo. Allez, on va essayer de jouer vite encore une fois. Antetokounmpo, je le vois. Ah, dommage. Il n'aurait pas pu tirer. C'est bien vu, la passe pour Sanders. C'est la conclusion. On va essayer un écran avec Mirotić, là. Ah là là, s'il m'a bloqué. Oh, bien vu, la passe de Walters pour Antetokounmpo. Et les 3 points. Bien vu. Alors, Irving qui est passé. Cette fois-ci, je suis pas très bien défendu. Ah là là, je l'ai laissé un petit peu ça, Irving. Heureusement que c'est raté. J'ai de la chance là-dessus, je suis parti, vite, 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 voilà. Ils m'ont pas pu suivre à la défense des Cavaliers. Et LeBron aussi qui restait un peu sur place et qui n'a rien pu faire. Et quatrième carton, 91-86. 5 points d'écart, allez Jabari, t'es tout seul à 3 points, Jabari Parker. Et voilà, le 3 points pour nous ramener à 2 points d'écart des Cavaliers. Ah, c'est vraiment, si on pouvait faire ce comeback, ce serait énorme. Très clairement. Ah non, l'interception de Kyrie Irving, la perte de balle de Jabari Parker. Ouf. Oh là 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 là, le gros dunk. Gros dunk de la part de LeBron James. Et oui, le ralenti, il est super beau. Oh là là, grosse détente en plus. Très très beau dunk de la part de LeBron James là-dessus. Belle contre-attaque après l'interception de Kyrie Irving. Et 6 points d'écart une nouvelle fois pour les Cavaliers. Je suis passé. Voilà, on lay-up pour reprendre directement ces 2 points. Allez, Mirotić. Allez, Mirotić, faut rentrer ça. Ah là là, ça rentre pas à ce panier. Ah là là là. C'est dommage. LeBron. Ah là là, la faute du Mirotić. Sur LeBron James, le panier est accordé. Peut-être le plus 1. Et oui. Ah là là, le plus 1 qui est dedans. Allez, les Cavaliers qui ont repris 10 points d'avance. C'est frustrant. On était revenu à 2 points.
Et là, les Cavaliers qui ont pris une grosse avance. Allez, Jabari, allez, Jabari. Ça rentre pas, ce panier. Ce panier, ça ne rentre pas et ça pue. Clairement, ça pue vraiment sur ce match. Joe Waiters qui met ce panier. Et voilà, c'est la fin du match. Défaite dans ce match 5. Victoire des Cavaliers, 119-107. Et là, ça nous met dans une position extrêmement difficile. Puisqu'on est mené dans la série 3-2, donc on est obligé de gagner les deux prochains matchs, de faire quelque chose qu'on n'a pas réussi à faire dans cette série, c'est-à-dire de gagner deux matchs de suite. Donc en plus, on part à Cleveland pour le match 6, donc ça va être extrêmement compliqué de renverser la tendance et de pouvoir passer en finale NBA. C'est très frustrant ce match, surtout le fait que quand je suis sorti, on s'est pris 17 points dans la gueule, et ça c'est vraiment super frustrant quand ça arrive. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura tout de même plu. Je remercie beaucoup de l'avoir suivi et moi je vous dis à la prochaine. Ciao !